Yon lot fwa, go bonjour sa tout moun, merci pou fidelite nou avèk ekip Bombard Media la ou la, depi Bombard Police. Se yon plezi pou nou rejwenn nou pou yon lot video. Si se premye fwa vizite nou enfòmasyon nou pataje ou enterese ou, pa bliye abone avèk Bombard Media na ou, epi ouvri chèn notifikasyon. Sa pèmèt fè bati ekip notifikasyon Bombard Media na ou la. E ben nou pa pèdi tan, nap komanse. Kou liye ya. Mais compromis non, on va aller jusqu'au bout et pour nous bail coin 24 sur 24 là. D'abord dans un premier temps c'est bail mon coin chaque jour et ensuite bail coin 24 sur 24. Pour nous faire ça, l'État haïtien t'a demandé EDH pour te joindre une cotation pour te joindre 55.5 mégawatts. C'est ainsi que nous avons une cotation ça dans main générale électrique pour un montant de environ de 57 millions de dollars américains. Donc contrat a été signé, nous avons voulu la Cour supérieure des comptes pour approuver le bonheur, mais c'est arrivé et la Cour supérieure des comptes a relevé une série de cas qui ont demandé correction. Et travail et Cour supérieure des comptes a un avantage quand bien même. Il y a un inconvénient. L'inconvénient, c'est que le retard et contrat ça travaille ça. Puisque la population a une dynamique pas qu'attendre, puisqu'il a souffert trop longtemps dans la logique courant, au compte courant, c'est le premier vecteur de développement. Donc, il y a une dynamique pas qu'attendre. Et alors, ce que le projet doit aller, comme ça. Cependant, il y a des bagailles qui la donnent, qui sont très intéressants, notamment le système anti-feu que le Cour supérieure des comptes signale pour moi, qui est très important, parce que vous ne pouvez pas qu'il s'est capable, au songer, va arrêter de prendre du feu. Pas de possibilité pour gérer du fait ça. Donc, on a investi 57 millions de dollars, 57,4 millions de dollars dans une série de groupements. Et pour ne pas gagner un petit feu, bien que vraiment inquiétant. Et l'autre bagaille était dit tout, en un rapport qui m'a même très aimé, il faut noter fixé le nombre de cadres qui ont formé qui pourraient gérer et central ça. Nous estimons qu'il est important. Mais malgré tout, compte tenu de l'importance du projet, et pour tout le monde qui a un recul, le projet a un droit de comme ça. Mais pas oublier, c'est pour supérieur des comptes qui a une autorité. Ça. C'est même une autorité de contrôle, c'est lui-même qui est capable de dire est-ce que le projet est capable d'aller ou non. Et Libanon, remarquez-vous, n'a respecté ça, non grand en fait, mais on ne sait pas seulement faire, et puis dit oui, il fait. Il faut reconstituer le dossier encore. Tout ça qui était pour écrire la dernière, pour venir écrire, pour reconstituer le dossier, pour retourner un bail et Cour supérieure des comptes. Il y a un monde qui t'a bien aimé, nous entrer dans une polémique systématique avec Cour supérieure des comptes, non pas prendre la provocation ça. Cour supérieure des comptes, l'État, c'est mon branche dans l'État. Cour supérieure des comptes, EDH, travaux publics, c'est mêmes oiseaux. C'est même moun yo qui peut travailler ensemble, population en paye pour composer ensemble, pour non meilleur délai, pour bail un bon service, c'est-à-dire un bon contrat qui pas gain faille pour faire pour non tous les non tout ensemble bail population courant électrique y a bail là. Certainement c'est EDH qui prend le bail courant, mais c'est pas travail EDH seulement, c'est travail CNMP, Commission nationale marché et public, c'est travail Cour supérieure des comptes, tout le monde connaît World Cour supérieure des comptes, c'est travail la présidence, c'est travail et finance, gouvernement, c'est travail EDH. On a tout composé ensemble, sans nous pas entrer dans la polémique pour nous capables de bailler la population en service qu'elle méritait. Donc, l'énoncé de l'État n'a fait vous montrer nous-mêmes, et bien la population ça a souffert et la population a non dynamique, pas qu'attendre encore. Et faut me dire non, quel que soit leur bail courant même si même les jours non bail courant 24/24 là non bail quand même en retard parce que population souffre trop l'idou li pas qu'attendre encore et jodiant c'est tout le monde tout côté Kenskov après le matin de 5h n'a pas la monde Kenskov qui dit il va gain courant et quoi des bouquets dit yo gain courant à peine 3-4 heures dedans et grand ravine dit il te gain courant à peine 5 heures dedans et bon là tout le monde eh bien en nous proposer ensemble jodiant en nous qui retirer toutes et divisions qui fait non pas arriver côté non doit arriver en nous qui t'es mesquiner yo si pour non capable bailler population ça un meilleur service. Mais une chose qui est certaine, correction reportée, non passer 4 et 5 à 6 heures de temps
a et travaille avec ANAC, EDH, Travaux publics, la présidence et Général Électrique pour nous porter correction ça, pour nous capables de faire et cours supérieur des comptes, travail qui lui mandé non. Et il était nous aux environs de 1 an 6 mois. 1 an 6 mois ça, nous travaillons arrache-pied. Puis pour la majorité, ça nous dit nous baillons, nous baillons. En particulier, pardon, courant 24 sur 24 là, la baille. Et qui le, eh bien, dès que le cours supérieur des comptes constate et non corrige ça, le mandé, là, si un contrat, la banne autorisation pour nous discuter avec General Electric. Et General Electric mandé non avant de démarrer 25%. Immédiatement, nous baillons. Nous prenons le bali, nous prenons mobiliser matériel, nous prenons 40%. De 40%, tout matériel, nous prenons ici. Et puis, nous c'est des gens qui travaillent et qui ont. En mécanisme de travail à grande vitesse, rapidement tout travail a avancé et mon y a oublié si on te gagne et si on te dorme dans fait noir. Mais on a pas ma propriété de dire développer une culture de payer courant. Tout le monde a payé courant. Et c'est vrai, on a rentré dans une logique prépayé. Prépayant tout le monde qui a besoin, c'est lui-même qui a acheté. Tant que l'air ou pas de crédit pour qu'on encore ou dans blackout, c'est pas l'État à ce moment-là qui met dans blackout, c'est où qui a mis tête dans blackout. Pour se faire des comptes, pas de intention ça dans la tête. Li. Et professionnalisme, le monde qui se faire des comptes, pas de quitter ou prendre la provocation et le monde qui a mettre là. Il n'y a pas entre côté ou les mettre là. Pas oublier le monde qui se faire des comptes, il y a victime des problèmes courants. Pas oublier le monde qui se faire des comptes, victime des gains dans la rue. Pas oublier les biens courants, c'est pour le monde qui se faire des comptes là pour tout. Si côté ou les mettre à partir des réseaux sociaux, je ne sais pas quoi, le monde qui se faire des comptes, trois gains ont équilibre mental très avancé, bon recul, ils ont transcendé assez pour ne pas entrer dans la logique ça, ils ont besoin de faire. Le cours supérieur des comptes demande un seul bagage. Les deals ont besoin d'un dossier solide pour ne pas avoir aucun problème demain matin. Et ça, correctionnement de eux, non pas lié. Et puis, moi, je travaille là pour avancer et pour nous capables de jouer un courant pour tout le monde, y compris pour le monde cours supérieur des comptes, y compris pour moi-même qui n'ai pas la voix là. Je dis, après, je finirai de constituer le dossier. Hein, et d'ici demain ou lundi, moi-même personnellement, je vais porter le cours supérieur des comptes pour me dire. Cours supérieur des comptes, moi quoi dans yo et qui gagne des codes, faut nous composer ensemble pour nous bailler population ça service que yo besoin et que yo mérité. Donc d'ici lundi dossier après déposer encore dans cours supérieur des comptes et moi quoi et juge cours supérieur des comptes yo pour l'apprécier non pas yo mandé nos fonds bagaille non fait li et puis n'a pas aller vers l'avant. Moi quoi courant ça cap bailler là c'est EDH cap bailler, c'est cours supérieur des comptes cap bailler, c'est CNMP cap bailler, c'est travaux publics cap bailler, c'est la présidence cap bailler, c'est ministère des finances cap bailler, en d'autres termes c'est gouvernement cap bailler. C'est non tout l'État cap compose ensemble pour nous bailler population en l'autre pays. S'agissant du rapport de l'UCREF, de l'IGF et du LCC et sur les pertes enregistrées par l'État dans l'acquisition des produits pétroliers. Le 22 janvier 2020, à la demande du président de la République, son excellent Jovenel Moïse, une commission tripartite composée de l'IGF, de l'UCREF et de l'ULCC a été chargée de dresser un rapport devant confirmer les présomptions de bénéfices indus réalisées par les compagnies pétrolières au cours de la dernière décennie. Le 14 août dernier, les commissaires m'ont remis par devant vous, la presse, le rapport commandité par l'exécutif. Ce rapport nous a été acheminé moins de 2 mois après. Il est formel et sans appel. Entre mars 2019 et mai 2020, période correspondant à la période de libération du marché des produits pétroliers, les compagnies pétrolières ont réalisé des bénéfices indus de l'ordre de 94 millions de dollars américains sur un total de plus de 7 millions de gallons de gasoline et de diesel. Ceci s'explique non seulement par le différentiel entre
les indices plates utilisés comme référence à l'achat par les compagnies pétrolières et l'indice Caribbean Posting utilisé par ces dernières pour facturer l'État haïtien, mais surtout par l'opacité des premiums proposés par les compagnies. En effet, les composantes du premium n'étaient pas identifiées. Une compagnie pétrolière a toute la latitude nécessaire pour faire grossir ses profits. En se basant sur les données du BMPA entre mars 2019 et mai 2020, sur une moyenne de 1 million de barils par mois, les premiums sont passés de 0,12 avant la libéralisation à 0,22 pendant la période de libéralisation. Mars 2019, cette période où l'État assurait l'importation des produits pétroliers, du moins des produits pétroliers à travers le BMPAD, mai 2020, est la période de la libéralisation du marché pétrolier haïtien à la demande des compagnies pétrolières. Ceci dit, les gains des compagnies pétrolières sont passés de 39 millions de dollars avant la libéralisation à 71 millions de dollars pendant la libéralisation, soit une augmentation de 82%. Pendant que les compagnies pétrolières prospéraient sans se soucier du bien-être collectif, l'État, quant à lui, continuait à accumuler les manques à gagner. Sur les 10 dernières années, le manque à gagner de l'État culmine à plus de 113 milliards de gourdes. Nous avons dit « Sot qui baille, imbécile qui pas prend. » L'État est toujours là. Il y a ce business qui a fait. Il n'y a pas de fourrer main dans poche personne, dans poche l'État. L'État est absent, le fermé gel, il a dormi sous l'État. M'a profité, ouvrir un gros coup de chapeau pour le président Jovenel Moïse, malgré toute sillade, toute zoclo lapin, qui choisit ouvrir gel comme l'État pour le freiner hémorragie. Cependant, il importe de souligner que le maximum local sur la période, soit plus de 39 milliards de gourdes, a été atteint au cours de la période de libéralisation entre mars 2019 et mai 2020. Ces 39 milliards de gourdes représentent en moyenne 46 fois les dépenses en agriculture. N'a pas compris pour qui ça agriculture va représenter rien encore dans le pays et que n'a commandé même cocoyer en République dominicaine pour 17 millions de dollars. 5 fois les dépenses en éducation, professeurs n'ont pas qu'à toucher, n'ont pas qu'à faire augmentation, n'ont pas qu'à nommer. C'est parce que l'argent pays l'a dépensé, l'a gaspillé, l'a grossi poche. En pile monde, que c'est monde qui est dans le secteur privé, que c'est monde tout dans le secteur public. Parce que nous sommes d'accord que dans le secteur public, là, il y a un bon soubriquet qui est là pour assurer la pérennisation, la richesse que en pile monde a fait. Et 13 fois les dépenses en santé. Matin, m'a réfléchi sur des discussions que j'ai eues avec des bailleurs de fonds, des partenaires qui disent que je t'ai aidé me fond l'hôpital, mais sans même parler avec le président de la République, là, je choisis Gantier pour me faire.
Et sans papa la président tout, si je tape à l'hôpital non, nom, je tape le nom de bébé que bandit a tué l'autre jour. Parce que nous tellement à gaspiller l'argent que nous pas possédé. La population n'a pas joint de service. Maman petit bébé a été obligé de traverser Jimani pour aller mener le docteur. Dame qui était mourue à son voisine qui a habitué à mener un petit lit. Beaucoup de gens m'ont guéri de ça. Devant cette situation, l'État ne peut rester impassible. Les distorsions du marché doivent et vont être corrigées sous le leadership du président de la République. C'est en ce sens que le rapport recommande le renforcement des capacités du BMPAD, la transparence au niveau des prix des produits pétroliers. Les prix des produits pétroliers à l'importation doivent être connus de tous. Parce que affaire pétrole, ça, son chaîne de perte. Si j'ai besoin d'acheter du riz ou bien poids ou bien l'huile pour moun manger, m'a juste taper ça sur Google. M'a besoin de prix du riz, prix poids. Et le ça, m'a choisi qu'on est qui prix m'a choisi. Et l'on vient vendre du riz, facilement, m'a vu qui bénéfice ou fait. Gaz ça pas comme ça. Son bagage qui est extrêmement opaque. Et c'est pas pour Haïti seulement, mais pour tous les pays du monde. Sauf que l'autre pays, l'État l'ouvre. L'accès par l'État via le ministère de l'Économie et des Finances aux différentes bases de données relatives aux indices utilisés. La suppression des intermédiaires lors des importations. Président Gonjan-Rélé, oui, et mais ce pourcentage. Parce que ça, l'État gagne pas qu'à acheter directement. Pas qu'on est. Moi-même qu'à acheter directement en tant qu'individu, ça l'État gagne pas qu'à faire. Le commissaire recommande aussi la reprise totale par l'État haïtien du contrôle de l'importation des produits pétroliers, incluant le propane. Moi qui a monté là, je suis un petit bonbon, je suis plein. Je songe que je paye 85 dollars, alors 400 et quelques gouttes. Et l'autre jour, là, je suis passé, j'ai payé 750 gouttes pour plein. Même petit bonbon. L'augmentation de la capacité de stockage des produits pétroliers, c'est un produit sensible et stratégique. L'approfondissement de l'enquête sur toute autorité compétente au fin de fixer la responsabilité pénale des personnes physiques et morales. Ça, les concernés pour du pétrolier. M'a salué l'ex-sénateur Ronald Larèche. Sous traque ça. C'est pas volé, non, le volé là, Jean-Pétro Caribé lui-même. Mais c'est yon nan sénateur qui t'a accompagné, l'homme t'a nan BMPAD, pour te faire mettre main sous yon nan vrai volé là, Jean-Pétro Caribé. Il y a deux enquêtes là, les soutenir. Mal devant le Sénat, parce que je me tape pervers dans le BMPAD, je fais un petit coup. Mais, je me fais un kembe, monsieur, bien kembe, parce que l'autre jour, je fais un petit. Parce que mal, tout le temps sur les réseaux sociaux, je fais un petit volet. Je fais un zam dans le pied, la police vient de zam dans le pied, je fais un tout terrel. Et puis, monsieur dit, par contre, kembe volet dans le pied. Et non, mais aucun bévolé. Zamnan, c'est dans pied l'idée. Il n'y a pas joué dans le ça veut dire qu'il n'est pas responsable. Alors, c'est pour dire que
dans qui état que un monde ca audacieux dans la vie et malheureusement nous chita n'a ba yo tété n'a caressé yo mais voler c'est voler moi même moi t'ai kembé ça dans main malheureusement pour moi monsieur couri mouri sans pas répondre sous l'argent Petro-Caribé. Sans pas répondre. N'attend pour me citer non, me pas citer non parce que me pas veut détourner dans route l'île met aller net pour pas jamais tourner encore dans pays d'Haïti. Nous voulons pour l'histoire et la vérité apporter des éclaircissements sur les questions des infrastructures sportives en fournissant à la nation des données précises sur les différents décaissements et dépenses effectuées ainsi que les niveaux d'achèvement de ces projets. Il y a eu un premier contrat d'aménagement phase 1 signé le 12 mai 2011 entre le MPCE et la firme Secosa pour la réalisation de 10 centres sportifs dans les communes de Saint-Louis-du-Sud, Tout-Monde, Gressier, Jérémy, Caille-Jacmel, Milo, Verrette, Saint-Louis-du-Nord, Marchand des Salines et Mont organisé pour un montant de $4,450,000. Des raisons diverses liées à des imprévus survenus au moment de la réalisation des travaux ont justifié la nécessité de procéder le 21 octobre 2011 à un avenant entre le MPCE et la firme Secosa pour un montant de $845,239.50. Le montant du contrat plus l'avenant totalise $5,295,239.50 pour la phase 1. Un deuxième contrat a été signé à la date du 6 septembre 2011 pour l'aménagement de 9 centres sportifs et 10 petits centres dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le montant de ce contrat s'élève à $10,150,023.31. En raison du passage de loi Gansandi, le MPCE que je représente aujourd'hui s'est vu contraint de faire un avenant de $3,044,016.67 à ce contrat d'un montant de $13,194,039.98 afin de faciliter la poursuite des activités et la réalisation des travaux. Il est important de rappeler que les dégâts provoqués par l'ouragan étaient considérables. Pour améliorer les conditions d'utilisation des infrastructures sportives, selon les constats, le ministère de la Planification a jugé bon de passer un troisième contrat avec Secosa pour doter 14 sportifs de gazon synthétique. Ce contrat d'un montant de $387,145,603.60, équivalent à l'époque à $6,913,314.35, a été exécuté à partir du 5 juin 2015. Deux autres contrats ont été signés en vue d'améliorer les infrastructures sportives de Carrefour et celles de Pignon. Le budget pour les centres sportifs de Carrefour était de $1,200,000, tandis que celui de Pignon s'élevait à $1,600,000. Secosa et le Comité olympique haïtien
avait la charge des travaux d'amélioration de ces centres. Le montant des deux phases, 1 et 2, incluant les centres de Carrefour et de Pignon, s'élève à 21 289 279,48 de dollars américains. Le 9 juillet 2012, le MPCE a signé un troisième contrat avec les firmes Adam Rofi pour la construction de 5 centres sportifs. Ces travaux, complètement achevés, a été financé à hauteur de 10 476 700 dollars américains. Les centres et les parcs sportifs ont été majoritairement améliorés suite à la réalisation de ces travaux. Ceci explique d'ailleurs que le montant des contrats soit 38 679 293,80 dollars américains n'a pas été entièrement décaissé. Et il convient de noter qu'avec la balance des 5 683 650,72 dollars enregistrés dans les comptes dédiés, il était possible à l'époque de mettre tous les centres à point dans les temps d'exécution impartis. Ceci résume l'essentiel des informations relatives à l'aménagement des infrastructures de sport et le gazonnage synthétique des parcs sportifs financés à partir des fonds Petro-Caribé. J'en profite pour remercier la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour m'avoir envoyé le dernier rapport hier après-midi. C'est un rapport assez volumineux que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Mais j'espère que ce rapport pointe clairement du doigt les vrais dilapidateurs, les vrais dilapidateurs des fonds de Petro-Caribé, car le pays en a grand besoin pour renforcer l'agriculture, augmenter la production nationale, faire les projets électriques, agir en santé et en éducation. Je terminerai mes propos en remerciant la police nationale pour tous les efforts mis en œuvre dans le cadre de l'opération Terminator qui commence à porter fruit. Et tout le monde unanime à ouais que la police a travaillé. Je vous un gros coup de chapeau à tout policier, toute policière, pour travailler à fait. Il y a un bandit en bas côte, il y a un qui a le bois chat. Merci, bon Dieu. Moi-même, bon côté, je travaille pour m'améliorer les conditions de travail policière. Nous avons des populations pour ne pas s'y tirer les bandits, bon côté. Au contraire, il faut nous longer de sous yo. Vous étiez photo à la police. Cachez faire photo, vous êtes à la police. Pas si tirer bandit dans l'environnement. Parce que petit nous tous, à tourner bandit parce que dans la vie, sans fréquenter, c'est lui. C'est en ma qualité de Premier ministre que je procède ce matin à l'installation des nouveaux membres du Conseil de modernisation des entreprises publiques, désigné sous le sigle de CEMEP, dont je suis le président en vertu de mon statut. D'entrée de jeu, je veux prendre l'occasion de rappeler ici et de souligner pour les collègues du Conseil de que le CEMEP a été créé en septembre 1996, suite au constat de la crise profonde que traversait la société haïtienne et ses institutions
privées et publiques. Il en résultait en ce moment pour l'État la nécessité d'engager des réformes tant à promouvoir et à assurer une gestion rationnelle et une utilisation optimale des ressources en vue d'augmenter la production nationale par l'instauration d'un climat de rigueur administrative et de stimuler de l'esprit d'entreprise. Et pour cela, il a été convenu d'alléger les charges financières insupportables au trésor public et aux contribuables et en même temps dégager et d'allouer des ressources aux collectivités territoriales. Outre les autres attributions déterminées par la loi, faut-il que je souligne aussi pour vous qu'il appartient au CEMEP de s'assurer particulièrement de la qualité des services et des produits offerts par des entreprises mixtes de concert avec les autres instances compétentes, de l'accessibilité des services dans les communes et leurs zones rurales, des structures de protection des intérêts des consommateurs, du versement des dividendes résultant de la participation de l'État à ces entreprises, à raison de 85% versés au fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales et de 15% à un fonds de protection de la sécurité sociale. Ainsi, la modernisation des entreprises publiques devenait partie intégrante du programme global des réformes visant à moderniser l'État, à promouvoir une allocation optimale des ressources dans l'économie, à favoriser l'esprit d'entreprise, à stimuler la production et la croissance économique durable. Ce qui est encore aujourd'hui d'actualité et c'est un impératif pour l'État. Qu'en est-il donc après 24 ans de création du CEMEP? Mesdames, Messieurs, à cette question cruciale et incontournable, exige de prendre le temps d'un bilan exhaustif. Sinon, on va continuer à perpétuer le cycle d'échecs et de pauvreté. On ne peut pas continuer à voiler la face et à exercer des fonctions paisiblement sans en tirer les conséquences des manquements, des défaillances et de l'impératif de correction qui s'impose à nous. Car la crise perdure avec la grave conséquence que la société se trouve plongée dans l'incapacité à adresser les problèmes et apporter les solutions aux besoins de plus en plus pressants de la population haïtienne. C'est une situation qui interpelle chacun et le place devant ses responsabilités. Une question se pose à savoir si le CEMEP a pu s'assurer de l'application de la loi au regard notamment de ces attributions subventionnées. La société est donc quasiment unanime à admettre un échec du CEMEP, à tort ou à raison, pour étayer une telle assertion et d'impact de décisions antérieures. Elle devra permettre de prendre les dispositions nécessaires pour apporter les corrections nécessaires encore et d'adapter aux nécessités qu'exigent les besoins sociaux et économiques. Comme rappelé plus haut, cet exercice est incontournable si nous voulons effectivement parvenir à l'atteinte des objectifs de développement économique et social du pays. Mesdames, Messieurs les membres du CEMEP, chers collègues, le CEMEP, avec ce nouveau conseil et conformément aux priorités du président de la République, et aux grandes lignes de politique de mon gouvernement, dont l'un des axes est la reprise économique, se doit de remplir sa mission selon les prescriptions de la loi du 26 septembre 1996. Nous devons être capables d'assumer les attributions que la loi nous confère
et de garantir l'atteinte des objectifs pour lesquels le CEMEP a été institué en tant qu'outil de mise en œuvre d'une politique. Je ne fais donc qu'effleurer la situation de l'organisme et les responsabilités importantes qui sont les nôtres aujourd'hui. Il va falloir nous dépasser et accepter les sacrifices que requiert notre fonction de membre du Conseil de modernisation des entreprises publiques. Mettons-nous à la tâche, soyons dignes et méritants, relevons ensemble et courageusement les défis qui sont les nôtres dans le cadre du CEMEP. La République d'Haïti attend beaucoup de vous. Je vous souhaite du succès et du courage. Bon travail. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.